Bonjour les gens, bonjour les autres, c'est votre JM Game. Big up. Bon, aujourd'hui, comme vous savez, c'est une vidéo. Kilomètres. On va. J'ai dit. Ensuite, de rouler avec ma remorque. Comme ça, j'aurai toujours la même remorque. Et comme ça, ben les réparations, il faudra que je les fasse sur le camter et sur la remorque. Bon, on arrive à destination, on va pouvoir prendre notre cargaison. Et comme c'est la carrière foufou, eh bien vous allez voir, c'est complètement foufou. C'est de la vaisselle. Allons-y jusqu'au bout. Alors, il faut que j'aille où pour charger? Je pense pas qu'à droite je passe, il faut que j'aille tout droit et que je le fasse par là, ouais, je pense. On va se faire ça tout de suite. On essaie de ne pas taper, parce que, comme je viens de vous le dire, c'est notre remorque, donc il ne faut pas oublier que c'est moi qui paye. Tout bêtement. Et le but, c'est quand même de faire des courses, mais de ramener. Et voilà. Mais de ramener un peu de sous-sous à la maison, même si c'est une carrière foufou, folle-folle. On s'en fout. Faut quand même ramener un peu de les sous-sous. Ah, ben ça suffit là. Oh, ben alors, allons-y. Il n'y avait pas besoin de faire une grande, grande marche. Câble, parti les amis, tout va bien se passer, allez, on y va, bon, on est parti, n'oubliez pas, position par rapport à la carrière que je vous ai demandé, enfin aux propositions que je vous ai par rapport à la carrière sur ATS. J'ai eu des propositions. Il m'avait dit faire le tour d'Amérique avec des convois rapides, je crois. Pourquoi pas? J'essaie de prendre un mixte de tout. Et j'aimerais que vous me fassiez plus de propositions. Je sais pas, par exemple, je sais pas, je vous donne un exemple bidon. Hein. Faire que du convoi exceptionnel. Quoique sur ATS, je ne sais pas s'il y en a beaucoup. Dites-vous que j'ai tous les DLC ATS, cartes et tout ce qui est spécial. Donc, moi quelque chose. Ceci ou cela. Vous pouvez me proposer ce que vous voulez. Alors, la carrière foufou fait que on n'est pas obligé. Carrière foufou, le but c'est d'aller le plus vite possible. Donc, vous le savez, je vais le plus vite possible. Allez, on est parti à fond les ballons. Donc voilà, comme je viens de vous le dire, ben, n'hésitez pas, surtout, hein, à. Proposition dans les lives. Les lives, c'est sur Twitch, hein, donc ça m'étonnerait que vous me fassiez des propositions là-dessus, mais bon. Une vidéo de farming, une vidéo de house builder, puisque maintenant il va y avoir des vidéos de house builder. Quand je vous tourne cette vidéo, nous sommes le 14 février à 14h40.
voulu le faire, j'aurais pas pu. Donc quand je tourne cette vidéo, ben, c'est une histoire de 14. Elle est prévue pour le 15, pour demain, cette vidéo. Et le sondage qui avait été fait avec 4 jeux proposés s'est soldé par Housebuilder qui... Enfin, vous avez le résultat dans le Discord, dans le salon sondage. Donc n'hésitez pas à aller le voir. Vous verrez que c'est Housebuilder qui est sorti en tête. Voilà. Donc... Allez, 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 hein. On n'est pas là pour pinailler, nous, hein. Mon cher ami. Nous avançons à fond les ballons. Donc voilà, donc, faites-moi des propositions, je ferai un mixte de tout, comme je viens de vous le dire, j'essaierai de prendre les meilleures idées, de faire une chose sympathique, il n'y a pas de barrière, hein. De faire une chose bien sympathique, non, il n'y en a pas partout, mais il y en a à certains endroits, heureusement que j'ai bien choisi. Et de faire une carrière ATS qui soit agréable à regarder pour vous et agréable à jouer pour moi, tout bêtement. Donc voilà, donc là on va rouler encore un petit 100-150 km. J'ai pris une petite course exprès, hein, parce que j'ai autre chose à faire cet après-midi malheureusement. Là j'ai dit il faut que je tourne ma vidéo parce qu'après j'aurai pas le temps. Donc j'ai pris une petite course volontairement. Je vous tourne la petite vidéo et après je vais faire ce que j'ai à faire. Parce que je vous rappelle que nous sommes en vacances en Eure-et-Loire pour les enfants et que mon fils est avec moi. Donc par conséquent, j'ai forcément autre chose à faire quand j'ai mon fiston avec moi. Vous doutez bien. Voilà. N'oubliez pas d'aller vous abonner à la chaîne de Sanzuki sur YouTube, de Vince, de Monsieur Fred, enfin vous avez énormément de... Ouh, ça penche grave là quand même. Vous avez énormément de chaînes dans la description et allez vous abonner à la chaîne de ma grenouille. Alors ma grenouille a changé son nom de chaîne, ce n'est plus Grenouille 24. Elle a juste créé sa chaîne, elle change déjà le nom. Donc c'est un peu stupide de sa part. Ma grenouille, si tu m'entends, big up. Je t'aime ma fille. Mais sa chaîne s'appelle Roman et Morgan. Je ne pouvais pas sortir à droite, mon cher ami. Donc voilà. Donc ouais, là je savais que ça allait taper. Là, accident. Et dégâts à la remorque, je suppose. Merde. Ouais, c'est ça. Ah non, pas de dégâts. Waouh, royal. J'ai fait un accident sans faire de dégâts. Donc, abonnez-vous aux chaînes que je viens de vous donner. Les noms des chaînes sont dans la description. Hein. Abonnez-vous. Allez-vous follow à la chaîne Twitch. N'hésitez pas à rejoindre le Discord. Le Discord est dans la description aussi. Comme vous l'avez vu, nous faisons des sondages. Nous faisons des lives multi, il y aura des lives solo, il y aura des vidéos multi. Enfin bref, nous essayons de faire un maximum afin que vous soyez satisfaits de nous regarder, moi et la GM Family, tout bêtement. Voilà. Bon, ce que je vais faire, je pense que je vais vous faire une petite coupure, je pense. Parce qu'il reste 500 bornes en gros à faire. Je pense que je vais vous faire une petite coupe, faire un petit accéléré. Et puis on se retrouve autour des dans 250 bornes, ce qui fait qu'il nous restera 200 et quelques kilomètres à faire ensemble. Ça devrait être pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça devrait être bien. Ouh, ça va passer juste là. Hein. Oui, ça passe. Allez. On se retrouve juste après l'accéléré, il m'a fait peur l'abruti. A tout de suite les amis. Ouais. Faire les hop.
300 km restants. On va les faire ensemble, les derniers kilomètres. On devrait mettre 5. Bien, normalement. Donc voilà, comme vous avez pu le voir pendant le petit accéléré, j'ai pris une petite prune de 5000 balles. J'ai légèrement frotté la glissière sur le côté, ce qui nous a mis 2% de dégâts au camion et 1% à la remorque. Et à part ça, bah, tout s'est bien passé. J'ai pas créé d'accident, j'ai pas fait plus de dégâts que ça, je n'ai pas fait de sortie de route, j'ai fait un peu de doublement sur la droite, un peu de doublement sur la gauche, un peu de zigzag, un peu de tout ce qui fait que vous aimez cette carrière folle ou foufou, carrière folle foufou de TS2 avec votre JM Game. Voilà. Tenez la gauche, il me dit, je ne peux pas, il y a une voiture qui roule à gauche. Et là, un abruti de service aussi. Hop là, et nous passons. Eh ben non, il n'est pas abruti de service en fait, nous n'avions pas le choix. Eh bien ça, les amis, c'était pas prévu au programme. Mais je pense que ça, vous l'avez pas vu souvent. Mauvais fonctionnement du moteur. On devrait mettre plus de temps que prévu à arriver, parce que là, je ne sais pas où nous allons. Bon alors, nous avons fait, vous allez le voir, quelque peu des dégâts. Alors, là, c'est ce qui s'appelle un beau vol. 50% au camion, 28% à la remorque, 15% à la cargaison. Là, je dirais que j'ai assuré. Il reste toujours 300 km. Ah, mais là, je ne peux pas passer, ça va être chaud. Patate. Ah, je peux pas passer, là. Ah ouais, voilà. Bon, ben voilà, nous sommes dans le caca. Accident. Ah, il y a quelqu'un derrière. Ah oui, il y a quelqu'un derrière. Ah. Bon, ben je sais pas si vous voyez le problème, mais je crois que je suis dans la mouise. Mauvais fonctionnement du moteur. Je pense que vous avez bien compris que là, ça allait être très très chaud patate. Bon, on va tenter un petit demi-tour parce qu'on est en train de bloquer toute la circulation. Mais le problème, c'est que je ne sais pas si je vais pouvoir... Ah ben oui, ben pousse-toi avec ta Golf là. Voilà, merci, bonjour monsieur. Je ne sais pas si je vais pouvoir... Ah ben non, là il y a un mur. Reculer. Donc je pense que, ben oui, voilà. Nous allons être obligés de prendre le dépanneur. Tout bêtement. Alors, c'est là. C'est bien, hein, j'ai assuré. Hein. Je sais pas, vous en pensez quoi, vous? Pensez que j'ai assuré, là? Pensez-vous que j'ai assuré? Je ne sais pas si, ayant ma cargaison et étant en offre de fret, je ne sais pas si je perds mon... Ayant ma remorque, pardon, et étant en offre de fret, je ne sais pas. C'est quoi les amis? Qu'en pensez-vous? Allez, il serait bien que tu te dépêches là. Je ne vois pas pourquoi tu mets autant de temps. J'ai des problèmes de connexion en ce moment, je ne sais pas de quoi ça vient. Non, voilà, je n'ai pas perdu ma cargaison. Par contre, je peux normalement réparer. Donc maintenant, c'est réparation du véhicule. Hop, et on va tout réparer. 69 000 balles. La course ne va pas nous rapporter grand-chose, hein, je pense. Heureusement qu'on est plus ou moins richissime. Alors, combien nous reste-t-il de kilomètres? Ça, nous allons le voir dans un petit moment. Trois cendres, ça tombe très bien. 300 km à faire ensemble, les amis. Allez,
On va tenter de se dépêcher un petit peu parce que sinon la vidéo risque d'être longue, puisqu'il nous restait moins de kilomètres à faire que ça à la base, mais que ben, votre gentil JM vous a fait une chose que vous n'aviez jamais vue sur ETA jusqu'à maintenant. C'est un petit vol spectaculaire. Je pense que, dites-moi si vous en avez déjà vu des comme ça, hein, ou si vous en avez déjà eu des comme ça, si vous avez eu un accident de la sorte sur ETS, ou si vous en aviez vu un, vu ou eu, à une lettre près, c'est pareil. Dites-le moi, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ça. Allez, une petite amende pour un feu rouge, merci. Ah non? Ah bon, bah alors. Je n'ai pas enlevé les amendes depuis tout à l'heure, hein, pourtant. Je pense que oui. Je pense que ce petit accident était relativement propre. J'assurais comme une bête. Descente de pont. Je pense que là... ça fait 2 fois 5000 pour l'accident à 400 balles, ça fait 6002, 69 000 euros de réparation, ça fait qu'il faut qu'on gagne minimum 75 000 pour que on rentre dans nos frais. Nous devons gagner sur cette course normalement 35 000, hein. On est perdant déjà de 40 000 là-dessus, hein. Bravo JM, t'as assuré, mais au moins vous avez vu un camion voler. C'est ça qui est bon. Il n'y a que chez moi que vous voyez ça. Enfin, je le pense. Je sais pas. Ça, j'en ai jamais vu. Je regarde des vidéos ETS, je regarde des streamers. Je n'en ai jamais vu et je n'en avais jamais eu. Et on avait eu des accidents spectaculaires avec la JM Family, hein, avec Jus, Cobra, Sanzu, anciennement Vince, anciennement les frérots. Fredo, Saucisse, Zébulon, et bien avec tous ces gens-là, il y a eu des accidents spectaculaires, mais à ce moment-là, jamais. Je n'avais jamais vu de descente de pont, pour ma part. Voilà, voilà. Bon, un petit 200 km encore. Voilà, un petit 220 km à faire. Très bien. Putain, mon volant se met à guidonner au moment où on arrive à... un péage, c'est pas bon ça. Un coup à frotter du mur. Allez, 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 on roule, on roule. On a encore au moins... ouais, plus de 5 minutes à faire encore. 5 petites minutes de... ouais, 100 km, 2 minutes, 100 km, 2 minutes 30 à peu près. Ouais, donc c'est ça. Il nous reste 5 petites minutes. Ah putain, si tu te pousses pas, toi. Je m'en doutais qu'il allait se pousser au moment où j'arrivais dessus. Je sais pas pourquoi, je voulais rester à gauche. Et puis je me suis dit, bah non, il se pousse pas, donc je vais y aller. Ça roule quand même, là. 150, 151, ça roule. 152 même. Je suis obligé de ralentir un peu dans les virages, hein, sinon j'arriverai jamais à bon port, je veux dire. Il y a des fois où je peux aller à fond, mais bon, comme tout à l'heure, là, le pont, j'aurais peut-être dû ralentir ou freiner un petit peu, peut-être.
Alors freiner, c'est tricher, j'ai envie de dire, mais ralentir, c'est pas mal, quoi. Combien? Ouais, non, si, ça devrait le faire. Ouais, si, ça devrait le faire. Je devrais réussir à vous faire le reste de la vidéo sans rajouter les ré. Encore 10. On se dépêche, on va tenter de faire les 100. N'aura jamais vu. Si, parce qu'on a fait des courses où on a livré des cargaisons qui étaient très très abîmées, mais bon, c'est rare quand je sais pas. Le premier pont, pas le second. J'étais déjà perturbé pour le second. Là, j'avoue que là, c'est bien. Hein, je... Vous devriez être satisfait des fails sur cette vidéo. Rien, hein, la course, je la prends, je la fais, je vous fais un accéléré, il n'y a rien de caché, vous voyez tout. S'il y a quelque chose que je n'ai pas fait parce que longue, enfin que vous n'auriez pas vu parce que la vidéo aurait été trop longue ou quoi que ce soit. Mais là, ce n'est pas le cas. Là, vous voyez la totalité de la vidéo. Là. Donc, rien, rien n'a été caché. Allons-y. Suis arrivé méchamment sur la barrière, je pense. 2 euros de péage, ouais, bon, ça m'a coûté un peu plus que 2 euros finalement. Ah ouais, qu'une seule voie pour les camions et tout le reste pour les voitures. Et moi je suis un peu arrivé méchamment, je dirais.
Il nous reste 23 km à faire. Bonjour la voiture blanche, accident. Je la voyais dans mon rétro. Et je ne coupe pas mon élan. C'est trop. Sachant que moi je devais déjà y être, il n'a pas à rouler aussi vite que ça. On est bien d'accord, les amis. C'est une course de merde. Elle m'aura coûté que ce qu'elle me rapporte. Parce qu'on est à plus de 2 fois. Ben ouais, il faut que je dorme. Tu attendras. Hein. On a bientôt livré. Il nous reste 5 km. Donc on va livrer et ensuite on verra. Parce que là, oui, nous sommes à beaucoup plus du double. Et j'ai encore toutes les réparations à faire sur le camion et la remorque. Donc, dites-vous qu'elle m'aura coûté 2 fois et demi plus cher que ce qu'elle m'aura rapporté. Parce qu'elle va quasiment rien me rapporter. Hein. Tenez la gauche, a dit le monsieur. Écoutons ce qu'il dit. C'est important. Nous sommes arrivés, les amis. Voilà, vous voyez dans le GPS. Vous voyez sur le GPS, pardon, le petit fanion de la ligne d'arrivée, je dirais. Donc, que nous arrivons. Nous sommes arrivés ici en tournant à gauche. Tout de suite. Alors. Oh, ma souris. Ouais. Endommagée, mais comment se fait-ce? Je ne comprends point. Moins 33 000. Cette course me coûte. Elle me rapporte 2556 euros. Sachant qu'elle m'a coûté, en gros, sur ce, les amis, je vous souhaite une excellente fin de matinée, après-midi ou soirée, en fonction du moment auquel vous regardez cette vidéo. Je vais revoir les gens, revoir les autres. À très vite avec votre JM Game. Et surtout, n'oubliez pas...